Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de pouvoir nous retrouver aujourd'hui encore dans cette période d'été, cette période peut-être de congé pour certains d'entre nous. Il est important de pouvoir nous souvenir aussi de l'essentiel et que notre planning durant ce mois de juillet-août soit surchargé parce qu'il faut peut-être rattraper le temps passé dans cette période de confinement ou que celui-ci soit allégé parce que malgré tout, les uns et les autres peuvent prendre quelques jours de vacances. Il est quelque chose qui ne doit pas changer dans notre agenda, c'est le temps que nous prenons avec Dieu, que son nom soit béni. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un texte de l'Évangile selon Luc, au chapitre 11 et le verset 5. Il est écrit: Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, dès l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Que Dieu soit béni. Les disciples ont pris conscience de l'importance de la prière et je crois que pour nous, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, la prière est toujours importante. Le temps que nous passons avec Dieu, le temps que nous passons avec Jésus est primordial. Que nous soyons, nous le disions, surchargés de travail, d'activité, ou que le planning soit allégé, le temps que nous prenons avec Dieu est principal. Jésus va dire alors, quand vous priez, dites Père. Cela pour nous rappeler simplement que par le moyen de la prière, nous avons une relation privilégiée avec Dieu, une relation particulière. Il n'y a pas de distance, mais au contraire, il y a cette relation de père et d'enfant que nous voulons encore développer, que nous voulons encore, que nous voulons encore construire. Que Dieu soit béni. La prière nous donne de pouvoir parler à Dieu de notre quotidien. Nous le voyons, là, il est question d'un homme qui vient pour chercher des pains. Il est question là de son quotidien. Il exprime les besoins et il le fait avec confiance. Et nous voulons aussi, par le moyen de la prière, et demander à Dieu, exprimer nos besoins, les besoins de notre quotidien qui nous concernent, qui concernent ceux et celles que nous pouvons côtoyer, et le faire avec foi. Alors, il est dit, Jésus, pour enseigner sur ce thème si important qu'est la prière, va prendre eh bien, l'histoire de cet homme, de ses amis, de ce voyageur qui va avoir des besoins. Et il nous a dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains pour pouvoir répondre aux besoins du voyageur. Vous voyez, il nous a dit que c'est pendant le milieu de la nuit. Voilà, c'est le milieu de la nuit. Le contexte, comprenons par là, le contexte n'est pas favorable. C'est la nuit, il fait sombre, un contexte difficile, un contexte défavorable, nous pourrions dire donc. Les sombres difficultés, c'est un temps de sombres difficultés tel que nous pouvons le connaître aujourd'hui, oh, bien au-delà de cette période de crise sanitaire ou de cette période de crise économique, bien sûr, il est question d'une crise spirituelle que les hommes connaissent depuis maintenant bien longtemps, oh, déjà du temps de Jésus, souvenons-nous qu'il a été mis à mort. Que les premiers chrétiens, la première église, les chrétiens ont été persécutés, ont été chassés, pourchassés, jusqu'à encore aujourd'hui. Donc oui, nous sommes dans une période de crise spirituelle. Et donc nous pouvons connaître une période de sombres difficultés. Mais dans ce contexte particulièrement difficile, eh bien, on voit quand même qu'il y a un point positif. C'est que un homme a un ami. Et l'ami, c'est le contexte favorable. Dans un contexte défavorable. L'ami est-il écrit aussi dans le livre des Proverbes, aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. C'est tellement important d'avoir des amis, de pouvoir partager avec quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un qui va nous comprendre et qui, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, va pouvoir répondre aux besoins, va pouvoir répondre à la sollicitation. Et c'est là la relation justement de grâce que nous avons avec Dieu, avec Christ.
Quelle que soit la nuit et quelle que soit l'heure de la journée, que ce soit le jour ou la nuit, nous pouvons appeler Dieu, nous pouvons demander à Dieu et il est celui qui nous entend demander et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Un contexte donc favorable malgré une situation difficile et malgré le manque. Parce que voilà, le voyageur, bon, il est en chemin et puis c'est la nuit qui vient. Il sait qu'il a ici un ami, il frappe à la porte de cet ami pour lui dire, voilà, je suis en voyage, bien sûr, je suis en chemin, tu le sais, mais est-ce que tu peux m'accueillir ce soir? J'ai besoin d'un toit, j'ai besoin d'un lit pour pouvoir dormir, est-ce que tu peux m'offrir cela? Oui, bien sûr, vas-y, rentre, mais tu sais, j'ai pas les pains, j'ai pas à manger, j'ai pas de pain, j'ai plus de pain. Moi, le pain, comme on en parlait dimanche, bien, je me suis rassasié avec le pain de la journée, ça m'a rassasié, mais je n'ai pas assez pour toi, je n'ai plus. Que faire? Que faire? J'ai mangé, je me suis nourri de ce pain de vie, mais je n'ai plus ce pain de vie. Enfin, je n'ai plus ce pain de vie. Il m'a nourri, il m'a rassasié, mais il faut pouvoir partager après. Et quand on n'est pas capable de partager, quand on n'a pas ce qu'il faut pour partager, il faut trouver une solution. Parce que à tout problème, nous savons, il y a sa solution. Alors, cet ami qui va ouvrir la porte, qui va dire, mais rentre, rentre, il va lui dire aussi, t'inquiète pas. Repose-toi, assieds-toi là, souffle un peu, allonge-toi un petit peu, repose-toi pendant ce temps. J'ai un autre ami et je vais aller chez lui, je vais frapper chez lui et t'inquiète pas, il va me donner du pain. Mais non, l'autre, on peut dire non, non, te dérange pas, tu vas pas les déranger. Si, si, t'inquiète pas. Voilà cet homme qui va se dire, il faut que je puisse répondre aux besoins de ce voyageur, il est fatigué, il faut qu'il puisse arriver au bout de son chemin, au bout de sa route, il faut qu'il puisse aller jusqu'au bout. Donc, il va se dire, j'ai une responsabilité, c'est que de pouvoir partager quelque chose afin que demain, il puisse reprendre la route. Le ventre plein, pas le ventre vide. Alors, il va sortir, dans ce contexte défavorable, j'allais dire, il va oser sortir, il va s'engager, il va s'investir personnellement pour aller frapper jusqu'à la porte de cet ami pour lui dire, voilà, j'ai besoin de 3 pains, prête-moi 3 pains. Et voilà que cet autre ami nous a dit, s'il lui avait pas donné à cause de l'importune, en raison d'avoir été importuné, il lui donnerait pourquoi? C'est l'inverse, pardon. S'il ne lui donne pas parce que c'est son ami, il lui donnera parce qu'il l'importune. Mais Dieu c'est notre Père et que ce soit la journée, le jour, nous ne l'importunons jamais. Hein, peut-être vous êtes comme moi avec les chaleurs comme nous avons en ce temps-là, j'ai du mal à trouver le sommeil, la fatigue est là, mais j'arrive peu à dormir. Eh bien, pendant la nuit, pendant que j'arrive pas à dormir, bon, ben, je parle au Seigneur, voilà, je prie, je parle en langue, et puis au bout d'un moment, je finis par trouver le sommeil. Mais il est important, voilà, le jour comme la nuit, de pouvoir se dire, je dérange jamais Dieu. Et je vais pouvoir lui exprimer. Et je peux lui exprimer les besoins qui sont les miens, mais je peux aussi lui exprimer les besoins qui sont ceux et de celles qui m'entourent. Merci Seigneur. Alors, cet ami va donner les pains, il va rentrer, il va donner aux voyageurs. Et quel est ce voyageur? Il va où? Il va où? Alors, ben, nous le comprenons pour nous aujourd'hui. Ce voyageur, il est en route vers le ciel. Certainement avez-vous lu le livre Le Voyage du Pèlerin, ou alors avez-vous vu récemment le film d'animation qui est sorti sur le voyage du Pèlerin, où on voit que cet homme, tout au long de ce voyage, va devoir faire des haltes dans des lieux de repos, des lieux où il va être accueilli, bien accueilli, pour pouvoir y passer une nuit confortable, pour pouvoir manger, pour pouvoir se restaurer et reprendre des forces pour reprendre un voyage qui est parfois difficile, parfois contraignant, parfois semé d'embûches, parfois plein de combats, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le lot de chacun d'entre nous et du voyageur, des pèlerins que nous sommes sur cette terre. C'est pourquoi nous voulons prendre soin les uns des autres et dire, mais je veux partager, afin que les uns et les autres, nous puissions poursuivre le chemin. Et l'apôtre Paul en parlait, je le rappelais dimanche, mais il va pouvoir dire, j'ai achevé la course. La couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé ton avènement. Et voilà, nous voulons arriver toutes et tous ensemble dans la présence de notre Dieu, dans le ciel de gloire, et pouvoir entendre de la part de Jésus, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Alors, pour cela,
pour pouvoir communiquer la vie en abondance, parce que comme nous le disions dimanche, eh bien, le pain de vie nous rassasie, mais à un moment donné, il faut partager. Mais pour ce faire, pour pouvoir partager, il faut avoir une certaine abondance, il faut avoir plus que pour soi, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait partage. Et ça tombe bien, parce qu'il est dit aussi dans l'évangile selon Jean que Christ est venu, mais pour donner, pour que les brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. Voyez, Dieu veut nous donner une vie abondante. Alors, parce que nous avons une vie, la vie éternelle bien sûr, mais que cette vie est abondante, c'est-à-dire que nous recevons plus qu'il n'en faudrait. Si on reçoit plus qu'il n'en faut, c'est pas pour dire oh, alors, je suis très spirituel, je suis très ceci, je suis très cela. Non, non, c'est pour pouvoir partager justement. C'est pour pouvoir communiquer. C'est pour pouvoir transmettre. C'est pour que ceux et celles autour de nous, c'est pour que nos familles, peut-être que nous allons rencontrer pendant cette période estivale, c'est pour que nos amis, c'est pour que nos collègues de travail ou autres, que sais-je, eh bien soient encouragés et reçoivent quelque chose qui vienne de la part de Dieu et qui va répondre aux besoins de leur cœur, aux besoins de leur âme, qui va nourrir, qui va les nourrir, qui va leur faire du bien, qui va les renouveler, qui va leur redonner un zèle pour pouvoir poursuivre le chemin, bien sûr. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alors, pour avoir cette vie abondante, il n'y a pas 36 000 solutions, n'est-ce pas? J'allais dire, le secret, il est révélé, il est révélé. Verset 13, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Pour pouvoir vivre cette vie abondante, bien sûr, il y a le pain de vie qui nous nourrit, mais pour que nous puissions partager, il y a aussi le Saint-Esprit qui nous est donné. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons ainsi partager autour de nous. Et ça tombe bien, parce que quand on demande à Dieu le Saint-Esprit, il a dit « il donne ». Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandez, l'on vous donnera, est-il écrit. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Voilà que le voyageur a frappé, on lui a ouvert. L'ami qui a frappé à la porte de celui qui avait les trois pains à frapper, on lui a ouvert. Et tout le monde, tous ceux qui avaient des besoins, ont reçu ce dont ils avaient besoin. Vous voyez? Donc, nous qui avons besoin, et Dieu sait que nous avons des besoins, Dieu sait que concernant le royaume de Dieu, les choses spirituelles, nous n'avons pas les capacités. Dieu sait que nous sommes sans ressources quant à nous-mêmes et que nous avons besoin de vivre autre chose, d'être renouvelés dans notre intelligence, le renouvellement de l'intelligence, pouvoir comprendre et saisir les choses d'en haut, vivre les choses d'en haut. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit, afin de nous révéler les choses qui concernent Jésus, les choses qui concernent la parole de Dieu, la parole faite chair, de pouvoir la vivre, les appliquer, transmettre, communiquer, partager. Alors, que cette période estivale soit l'occasion pour chacun d'entre nous d'être renouvelé dans la vie de l'Esprit, d'être renouvelé peut-être dans le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pouvoir prendre du temps pour parler en langue, pour vivre la vie de l'Esprit, pour développer sa relation avec le Saint-Esprit, avec Christ, avec Dieu le Père. Dieu veut répondre à nos besoins et il se plaît à répondre à nos besoins. Je dirais, il y a une nuance, voyez, à relever tout de même. Dieu ne veut pas forcément satisfaire nos désirs, il veut répondre à nos besoins. Dieu n'est pas là pour agir en fonction de nos désirs, mais il répondra par rapport à son amour, à l'amour qu'il porte pour chacun d'entre nous. C'est son amour pour nous qui le pousse à agir. Voyez ? Parfois, il ne va pas répondre selon nos désirs, parce que s'il devait répondre selon nos désirs, cela pourrait nous nuire. Alors, il ne le fera pas. Mais comme il sait ce qui est bon pour nous, il va nous donner autre chose, n'est-ce pas? Parfois, les enfants nous demandent telle ou telle chose, et on va leur dire, non, non, là, ce n'est pas le moment, parce que, voilà, il ne faut pas. Voilà, ils vont nous demander un certain produit, une certaine alimentation, les bonbons, les ceci, les ça. Non, stop, c'est fini, parce que ce n'est pas bon pour la santé, parce que ceci, parce que cela, je ne peux pas t'en donner, je ne t'en donnerai pas. Mais tiens, par contre, voilà, ben, mange une pomme, tu veux une boisson gazeuse, tiens, ben, bois de l'eau. Voilà, on sait ce qui est bon pour nos enfants et on va faire un choix et parfois on va répondre, pas selon leurs désirs, mais selon ce dont ils ont besoin, selon ce que leur corps a besoin. Alors pour conclure, je dirais, Dieu veut répondre selon notre besoin et selon ce qu'il sait être bon pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi ce qu'il y a de meilleur, c'est sa présence, c'est son esprit. Que Dieu soit béni, demandons son esprit. Et il nous le donnera. Partageons-lui nos sujets, nos inquiétudes,
nos soucis parfois, partageons-lui nos besoins et il y répondra. L'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. N'oublions jamais les actions de grâce parce que Dieu est celui qui a pourvu, Dieu est celui qui pourvoit, Dieu est celui qui pourvoira, que son nom soit béni. Alors oui, nous ne voulons pas nous inquiéter, les besoins sont là. Ils sont là pour nous, ils sont là pour nos familles, pour nos amis, etc., etc. Mais venons toujours chercher auprès de Dieu, venons toujours chercher auprès de Jésus ce qu'il veut nous communiquer afin que nous soyons à notre tour des instruments de bénédiction. Qu'il en soit ainsi, que cette période de l'été soit pour nous l'occasion aussi d'être des instruments de bénédiction pour que peut-être des membres de nos familles reprennent le chemin, reprennent la route avec Dieu, reprennent la marche avec Dieu. Peut-être que pour ceux et celles des frères et des sœurs, des chrétiens, des amis, des collègues qui sont fatigués, qui sont découragés, bien puissions-nous leur communiquer quelque chose qui vienne de la part de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse encore. Que son nom soit béni. Merci Seigneur de nous bénir particulièrement et pendant cette période de l'été, de nous visiter, de nous remplir de toi, de nous remplir de ta vie, de ta présence, de ton Saint-Esprit. Ô Seigneur Jésus-Christ, visite-nous encore. Eh Seigneur, nous voulons prendre du temps encore pendant cette période pour te demander encore de nous remplir de ta présence, de nous remplir de ta vie, de nous renouveler dans la vie de l'Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, encore oui, bénis chacun d'entre nous et donne-nous d'être des instruments de bénédiction pour nos familles, pour nos voisins, pour nos amis, pour les pèlerins que nous pourrons rencontrer encore tout au long de cette période. Ô Seigneur Jésus-Christ, donne-nous encore de vivre cette vie abondante afin que nous puissions partager le meilleur, les choses d'en haut, la vie du Christ, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ces moments vont bientôt se terminer, mais quelques annonces avant de nous séparer. Vous dire donc que c'est l'été. Et parce que c'est l'été, le programme change aussi, bien sûr. Il va y avoir les déplacements des uns et des autres et nous faisons en fonction aussi de tout cela. Vous dire donc que la réunion du milieu de semaine, donc là, celle de mercredi, aujourd'hui, c'est la dernière de l'été. Et M. Cabot vous l'a déjà annoncé, il en reparlera encore, mais à partir du mois d'août, il y aura des réunions de prière en semaine, que ce soit à Béria, à Grenoble et à Lamure, afin de pouvoir vous retrouver, nous retrouver en présentiel pour prendre du temps pour prier, bien sûr, selon tout le protocole sanitaire, selon toutes les exigences. Voilà, que Dieu nous aide encore, que Dieu nous accorde sa sagesse et sa grâce pour pouvoir suivre au mieux et vivre au mieux aussi notre foi chrétienne et notre vie d'église. Nous sommes ensemble avec Christ et nous voulons continuer de marcher ensemble. Nous utilisons les différents moyens qui nous sont donnés, mais que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse aussi. Vous dire aussi qu'on m'a fait remonter ce week-end de quelques soucis techniques concernant la diffusion et la réception des messages. Vous informez qu'avec l'église, nous sommes aussi en cours de changement de fonctionnement. Il y a des mails qui sont toujours envoyés, comme c'est fait depuis le mois de mars, avril maintenant. Oui, c'est ça. Et puis, nous sommes passés il y a quelques jours de cela, quelques semaines, à la newsletter. Alors, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, allez vous y inscrire. Vous tapez moneglise@grenoble.com, vous allez sur le site, vous acceptez les cookies. Et puis, vous descendez sur la page d'accueil. Vous savez, vous avez le bandeau avec les images qui défilent, le bandeau audio. Vous descendez, vous avez un petit texte d'introduction sur l'église. Ensuite, il y a les images, les grosses vignettes, Grenoble, Voiron, Lamure. Et ensuite, vous voyez un petit encart pour vous inscrire à la newsletter. Il y a une petite procédure à suivre. C'est somme toute assez simple. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Inscrivez-vous à la newsletter. Ainsi, vous recevrez chaque semaine et à chaque fois que cela est nécessaire, les informations qui nous concernent, qui concernent la vie de l'Église et qui vous seront fort utiles, que ce soit pour les vidéos ou d'autres choses. Si vous êtes inscrit à la newsletter depuis quelques semaines, vous ne recevez certainement plus alors le mail comme vous l'avez reçu jusqu'alors. Vous recevez une notification parce que le système des newsletters est différent de celui des mails. Le mail, il part dans la boîte principale, c'est le message principal.
Et donc, vous le voyez dans votre boîte mail principale, voilà, message de mon église à Grenoble, ADD, voilà. Sauf que maintenant, avec le système de la newsletter, mais ça, c'est valable pour toutes les newsletters, hein, si vous êtes inscrit à d'autres sites, Viens et Vois, l'Action Missionnaire, l'Action Évangélique de Pentecôte, vous recevez toutes ces newsletters dans la rubrique notification et non pas dans la rubrique boîte prioritaire. Donc, c'est dans les notifications qu'il vous faut aller chercher le mail concernant l'actualisation du programme de l'Église. Voilà, donc pour ceux qui auraient loupé le mail de dimanche, regardez dans votre notification, dans votre rubrique notification, et vous verrez, vous trouverez assurément là le mail, et peut-être même deux mails, puisque moi, du coup, je pense qu'une information est remontée à la secrétaire, je pense, hein, parce que moi, je l'ai reçue deux fois. Il me semble donc que le mail est peut-être parti deux fois. Enfin, le mail, non, la notification est partie deux fois. Mais voilà, donc allez bien regarder hein, dans les différentes rubriques de votre boîte mail. Alors moi, je vous parle de Gmail parce que c'est là où j'ai mon adresse mail, mais peut-être vous utilisez un autre service. Regardez donc dans vos autres rubriques, vous y trouverez là certainement le mail. Vous dire aussi qu'il y a différents moyens pour vous de pouvoir trouver les mails. Il y a bien sûr la newsletter, voilà, et l'abonnement. Il y a le fait de, vous voyez un petit peu en dessous de la vidéo, là, il y a écrit description. Vous cliquez sur la petite flèche description, et là, vous voyez la petite case s'abonner. Abonnez-vous. Et puis une fois que vous êtes abonné, vous voyez une petite cloche à côté. Activez la cloche et mettez toutes. Oui, il y a aucune personnalisée ou toutes. Mettez toutes. Vous voyez, vous avez peut-être deux insignes là au-dessus de la cloche pour vous dire que la cloche est activée. Et ainsi, à chaque rajout de nouvelles vidéos, c'est YouTube qui vous enverra une notification pour vous prévenir qu'une vidéo est mise en ligne. Et donc, vous pouvez la consulter. Donc, un autre moyen encore pour vous de pouvoir consulter les vidéos chaque semaine. Ensuite, vous pouvez toujours aller sur le site Mon Église à Grenoble, aller dans Médias, en ligne, en prise directe. Voilà, vous allez sur En prise directe et là, vous verrez. Le programme vidéo qui est actualisé à chaque nouvelle sortie. Chaque semaine, nous mettons à jour le site internet. Voilà, ça c'est encore un moyen pour vous de pouvoir suivre notre programme. Il y a la page Facebook où là aussi, elle est mise à jour chaque semaine pour que vous puissiez différents moyens sans qu'on ait besoin, enfin on le fait, hein, mais même si vous ne trouviez pas l'adresse mail ou le mail, la notification de la newsletter, oui, il y a d'autres moyens encore pour vous que de pouvoir trouver les vidéos qui sont mises en ligne chaque semaine. J'envoie aussi, et je pense que d'autres le font aussi, toutes les semaines, des dizaines, 50, 60, 70 messages à des chrétiens qui n'ont pas forcément des boîtes internet et autres, des boîtes mail. Donc on envoie les messages, on m'a redemandé encore cette semaine d'en rajouter d'autres, donc je peux, mais ça commence à faire des listes qui sont vraiment conséquentes. Je le fais, mais le plus simple, c'est quand même que vous vous abonniez et que vous puissiez voir aussi les choses pour pouvoir aller chercher aussi vous-même l'information. Nous continuons avec la secrétaire, le conseil d'administration et l'équipe pastorale de vous envoyer toutes les informations. Mais voilà, différents moyens, 4, 5 moyens, vous voyez, pour voir simplement une vidéo. Et comme ça, au moins, chacun peut suivre tout ce qui se fait chaque semaine. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Nous vous disons à toutes et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à bientôt.